Ouais, ben, il y a un petit peu de vent là, mais bon, mais c'est toujours à l'ombre. Hein. Là, il y a le boulet, alors je l'ai fait en début de matinée. Et là, j'étais bien là. Hein. Bon, cette piste aussi là, maintenant, elle est, au début, elle était bien damée, et après, ben, à force de passage, ça racle. Hein, et, puis il y a les plaques de verglas dessous, de glace. Donc ça ne fait que déraper. Bon là on voit une petite coulée là. Là aussi, sur la dalle. Oui. Et la piste noire, ben, elle est fermée. Oui. Hein. Puis leur piste là-bas aussi c'est fermé quoi. Hein. C'est... Enfin il n'y a pas grand monde qui s'y aventure. Hein. Ouais, je vais peut-être me faire le goulet là. Et moi j'ai pas trop envie de filmer là avec la perche à la main parce que c'est un peu casse-gueule et il vaut mieux. Comme si je skiais sans bâton, alors c'est un peu, ça dérape bien là, c'est bien glissant, c'est glacé dessous, alors il ne faudrait pas tomber. Autrement là-bas, au pied de la barre, on voit les plaques avant, quoi, les fissures, enfin les... La neige qui demande qu'à tomber, quoi, qu'à dégringoler. Quoi, là. Le manteau neigeux là, parce que en fait c'est juste la sous-couche ça quoi. Il n'y a rien en dessous. Hein. Ouais. Bah ok. Allez, à plus. Bon là je suis en haut d'Orlas, d'Anglas je veux dire, des TDC. Bon, il y a du monde, je vais éviter de me dépêcher à partir. Allez, let's go. Les bâtons, c'est pas évident. C'est parce que là, c'est une...